Merci beaucoup pour cette introduction. Merci. Je tiens tout d'abord à remercier et Monsieur le Wali de la région Guilmi-Mouadnoun, Madame la Présidente de la région Guilmi-Mouadnoun et aussi Monsieur le Directeur Général de l'Agence de la Promotion et du Développement économique et social des provinces du Sud et Madame aussi Mekawi et Monsieur l'Alaoui pour l'organisation de cet événement très important, pour l'accueil très chaleureux, pour votre... pour tout ce beau programme que vous nous avez concocté et que vous nous avez, que vous nous proposez. Merci infiniment. Monsieur le ministre de l'économie et du commerce, monsieur le secrétaire général, représentant de madame la ministre de la transition énergétique et du développement durable, madame, monsieur le président, je l'ai cité, donc de et madame la directrice générale de Maroc Diplomatique. Et donc je tiens aussi à saluer madame, son excellence, madame l'ambassadeur et messieurs les ambassadeurs présents avec nous aujourd'hui, ses excellences aussi, les ministres qui sont dans la salle, monsieur mon général, mesdames et messieurs les directeurs généraux et présidents des organisations et organismes nationaux et internationaux, mesdames et messieurs les élus de la région, que ce soit les membres de la région ou des conseils provinciaux et communaux, toutes les autorités civiles et militaires, sûreté nationale, gendarmerie royale. Je tiens aussi à saluer les ONG qui sont présents avec nous, bien sûr les investisseurs que nous remercions énormément de votre présence ici. Chère audience, mesdames et messieurs de la presse, j'espère que je n'ai oublié personne. En tout cas, je vous salue toutes et tous en votre nom et qualité. Donc, je tiens aussi à exprimer ma joie et d'être ici parmi vous à Guilimim, dans la région de Guilmim-Ouadnoun, dans cette région, très belle région et très riche. Nous l'avons constaté depuis hier, mais je connais la région, très belle région qui a une histoire, un patrimoine justement matériel et immatériel très important et qui a joué un grand rôle dans notre histoire et qui continue à jouer un très grand rôle dans notre histoire. Je suis très fière, très heureuse de ma présence dans nos provinces du Sud, très chère à notre cœur, dans cette belle région de rencontre de Melgassa Lehin, où la rencontre carrefour des sages et des saints du Sahara et de nos provinces du Sud. Mais cette région n'est pas riche uniquement par ce patrimoine culturel et historique, mais elle est riche aussi par, ça a été cité par Monsieur le ministre, par son potentiel important, en l'occurrence par rapport à la thématique d'aujourd'hui, son potentiel énergétique, que ce soit l'énergie solaire, que ce soit l'énergie éolienne, que ce soit l'énergie marine aussi, très importante, l'hydrogène, la géothermie, donc toutes ces énergies, ce potentiel énergétique très très important. Et c'est Monsieur Al-Hafedi, directeur général de l'ONU, ne va pas me contredire sur tout cet énorme potentiel qui est dans cette région. Et je sais tout ce que vous faites comme travail extraordinaire donc dans cette région. Donc je tiens aussi à remercier les organisateurs encore une fois, donc Monsieur l'Alaoui, Madame Saad Mkawi, pour cette belle série de conférences MD Talk, Maroc Diplomatic Talks, très intéressante, qui à chaque fois nous réunit sur une thématique importante par rapport, qui nous challenge sur les recommandations du nouveau modèle de développement. Je tiens aussi donc le nouveau modèle de développement qui a dans les recommandations, on a beaucoup insisté sur la durabilité
sur la durabilité, comment préserver la durabilité, renforcer la durabilité, surtout face au changement climatique et face à l'activité humaine. À l'activité humaine et comment le nouveau modèle de développement, en tout cas les recommandations, ils ont beaucoup insisté aussi sur le capital humain et comment ce capital humain doit s'approprier le changement, doit s'approprier le développement et surtout être l'acteur principal du développement durable. La thématique, je félicite les organisateurs pour la thématique, les énergies renouvelables au cœur de... valeur transversale, on va dire, au cœur du nouveau modèle de développement. C'est bien sûr notre pays, grâce au leadership de Sa Majesté et le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, ce leadership qui nous a positionnés comme leader, non seulement au niveau de notre continent, mais au niveau mondial. Et tout à l'heure, Madame Kawi a signalé le prix et cette distinction qu'a reçue Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, au niveau mondial, qui reconnaît ce leadership au niveau des énergies renouvelables. Cette thématique, mais je la connais, enfin, j'ai déjà beaucoup travaillé sur en tant d'abord que chercheur à l'université, j'ai beaucoup travaillé sur les smart grids, sur les énergies renouvelables et les réseaux intelligents d'énergie. J'ai aussi beaucoup travaillé dans la thématique des villes intelligentes, frugales et inclusives, sur bien évidemment les villes intelligentes. Vous savez, la composante énergétique, elle est très très importante. Et en tant que ministre, bien évidemment, la dimension énergétique est au cœur de la stratégie du ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, qui décline les engagements du programme du gouvernement et les orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Donc cette stratégie, et là mon angle d'attaque va être bien sûr de l'angle d'attaque sociale, bien évidemment, puisqu'on a beau parler transition énergétique, développement des infrastructures, si l'humain ne suit pas, on n'ira pas très loin. Donc la transition énergétique, il y a la composante capital humain et l'engagement humain pour cette transition énergétique qui est fondamentale. Et c'est pour cela que dans la nouvelle stratégie du ministère, que nous avons baptisée Green Inclusive Smart Social Regeneration, on a mis le green, le développement durable, qui est une composante importante. Pourquoi ? Pour que toutes les tous les citoyens s'approprient la dimension développement durable et énergie renouvelable et accède aux énergies renouvelables. Je rappelle que l'ODD 7, il parle de clean and affordable energy. Donc comment justement permettre à tout un chacun d'accéder à l'énergie renouvelable à un prix qui est correct et à ce qu'on n'ait pas de fracture énergétique, de fracture sociale dans le domaine des énergies renouvelables. Tout le monde a droit à l'énergie propre, tout le monde a droit aux énergies renouvelables et tout le monde a droit d'être sensibilisé pour qu'il soit acteur du développement durable et de la promotion des énergies renouvelables et acteur de cette transition énergétique. Et donc c'est pour cela que dans la nouvelle stratégie, nous avons développé un programme pour justement l'accompagnement des coopératives et surtout les coopératives féminines pour qu'elles se développent dans l'axe du développement durable et dans les métiers verts en général. Et donc ça pour nous est fondamental et nous avons lancé le programme GIST, Tsemkin ou Riyada, avec l'accompagnement de 3000 femmes dans chaque région. Et notamment, bien évidemment, la région de Guelmim ou Ebnoun, donc autour de 300 coopératives qu'on va accompagner dans tous les métiers verts et dans toutes les activités qu'elles vont faire, on va les sensibiliser pour qu'elles adoptent les énergies renouvelables. C'est très important. Et aussi sur la dimension famille, c'est fondamental à ce qu'on sensibilise les familles sur... Parce qu'on parle des énergies renouvelables, mais on oublie une dimension énergétique importante qui est l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, vous savez que autour de 25% est consommée dans le résidentiel, 40% dans le transport. Donc il y a... Et ne serait-ce que dans ces deux secteurs, l'activité, on va dire l'impact de l'humain est fondamental. Dans le résidentiel, il faut qu'on développe des usages
qui soient des usages éco-friendly, qui permettent de réduire la consommation énergétique. Dans le transport, il faut qu'on choisisse, en tant que citoyennes et citoyens, des modes de transport qui consomment moins d'énergie, 40% dans le transport. Je pense qu'on peut réduire facilement de 20 ou 30% s'il y a un engagement citoyen dans cette direction éco-friendly. Donc, par rapport aux enfants aussi, c'est les générations futures. Donc, il faut qu'on... Ça, c'est ce que nous sommes en train de faire dans la politique familiale, la nouvelle politique familiale, c'est d'accompagner les familles par des programmes de sensibilisation sur le développement durable pour que les familles s'approprient le développement durable, les familles s'approprient les objectifs de développement durable et surtout, les enfants s'approprient et grandissent en s'appropriant ces objectifs du développement durable. Aussi, l'exemplarité de l'État, c'est fondamental. Et c'est pour ça que je salue monsieur le directeur de l'entraide nationale qui est avec nous. Et donc, nous avons lancé un programme ambitieux pour réhabiliter les centres de l'entraide nationale. Nous avons plus de 4200 centres à travers le Maroc. Cette année, on a travaillé sur 250 centres pour que ces centres soient alimentés par les énergies renouvelables, justement. On a intégré l'équipement par les panneaux solaires et les différentes solutions d'énergie renouvelable dans le processus de réhabilitation des centres sociaux à travers le Royaume. L'année prochaine, on vise 1000 centres dans les 4 prochaines années, 1000 centres chaque année. Donc ça, c'est très important. Je vais essayer d'aller vite. La deuxième dimension, c'est l'innovation. C'est l'innovation, l'innovation sociale, l'innovation frugale. Comment peut-on tous les jours, ce qu'on fait tous les jours, développer des solutions qui soient des solutions qui permettent l'accès aux énergies renouvelables à toutes et à tous. L'innovation, c'est le mix énergétique aussi. On parle des énergies renouvelables du solaire, mais le mix énergétique va permettre à un site d'être autonome. Là, on a fait des études, des simulations avec un mix énergétique. On peut être autonome au niveau énergétique. Donc ça aussi, c'est très important de combiner le solaire, l'éolien, la géothermie pour le résidentiel et la biomasse, bien sûr, tout ce qui est traitement des déchets. Ça va nous permettre de traiter les eaux usées, de traiter les déchets et de produire du gaz. C'est un potentiel extraordinaire. Et nous avons une grande université dans nos provinces du Sud, qui est l'université Bnozo, des centres de recherche. Il faut qu'on mette l'université au centre de l'innovation. Il faut qu'on associe l'université. C'est très important pour développer des solutions, justement, locales et qui soient appropriées par les jeunes, par les chercheurs, etc. Donc, il y a aussi... on peut développer, par exemple, dans les oasis ou dans les villages, on peut développer des solutions qui soient autonomes, avec l'asynchronisme même des utilisateurs, parce qu'ils n'utilisent pas tous l'eau chaude en même temps, ils cuisinent pas en même temps, ils n'utilisent pas la machine à laver en même temps. Donc cet asynchronisme peut nous permettre aussi de gagner en termes d'autonomie et de réduire le coût des infrastructures. Un autre point, et le dernier que j'aimerais adresser, c'est le point juridique, c'est le point des lois, de la réglementation. C'est très important à ce qu'on permette aussi des mécanismes incitatifs et par la loi qui permettent aux citoyens je ne vais pas rentrer dans le débat, bien évidemment, de la production privée, la production massive, mais je pense que c'est important, cette combinaison, d'avoir un parc très important qui produit la plus grande partie, on va dire, de l'énergie, mais d'avoir un parc distribué dans le résidentiel qui nous permet de lisser les pointes, de réduire le coût, de ne pas avoir des crises énergétiques, parce que nous avons toute la population qui peut contribuer dans le bidirectionnel à produire et même à stocker de l'énergie. Je ne vais pas développer parce que monsieur le directeur général, il connaît cette problématique, bien évidemment, mais je pense qu'on doit faire un effort au niveau loi et au niveau réglementation pour l'appropriation des énergies renouvelables par tous. Je pense aussi, j'ai parlé des modes incitatifs, dans les appels d'offres, dans les différentes politiques, il faut qu'on mette par la loi
par la loi l'obligation de faire recours aux énergies renouvelables et d'intégrer les énergies renouvelables. Voilà, sans trop tarder, je vous remercie de cette opportunité. Précis, concis. Merci, Madame la Ministre. Sur ces sujets. Merci.